comprends. Ceux qui ont des enfants ne peuvent pas dire la même chose. Quatre ici. Ok. Bon, tu veux me contredire? Ok. Ok. Et t'as passé une bonne semaine? T'as vu? Elle me dit si, mais elle a juste confirmé ce que je veux dire. Non, c'est pas ça. Je dis, si quelqu'un a des enfants, pas dire j'ai passé une bonne semaine facile comme ça. Elle a juste répondu pour confirmer ce que je venais de dire. Moi, on va revenir sur la question des Haïtiens. Tout le monde a suivi un petit peu le débat sur Donald Trump et Kamala Harris, là, l'élection américaine. Vous avez suivi un petit peu? Ok. Et, frérot, toi, t'es devant moi, tu me fais peur. Tout le monde rigole, toi, t'es comme ça, tu attends. J'ai l'impression que tu viens d'arriver. Ça va? T'as passé une bonne semaine? J'en étais sûr qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous tout. Vous êtes venus ensemble, c'est ça? T'as vu la différence? Elle a passé une bonne semaine. Et lui, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, mais il y a un truc que je comprends pas. Vous avez entendu sa réponse? Non. Le travail. Madame, elle a dit le travail. Elle est heureuse. Elle a passé une bonne semaine. Lui, le travail. Bon, non, pas. Bon. C'est quoi t'as fait comme boulot? Tu ne donnes pas envie à connaître ce que tu fais comme boulot. Parce que j'ai pas. Non. Bon. On te comprend. Ne bats plus, frérot. On est ensemble. Moi aussi, j'étais dans cette situation. Je voyais arriver le burn-out au travail. J'ai démissionné. Tu vois, j'étais dans la même situation que toi. Voilà. Bon, heureusement. Bon, j'ai galère depuis, mais.